touches la main. C'est toi qui me touches la main. Ah, j'avoue, c'est tellement que tu m'attaches à la main. Bonjour, VOD. Découverte de Nightingale. Enfin, découverte. On teste le stress test. Il y a écrit serveur stress test, donc vraiment, on sera dans du... Non, c'est totalement que tu me touches la main. On sera sur... voilà, sur l'early, très early. Enfin, je dis ça et en même temps, le jeu est censé être fini totalement parce qu'il sort dans une vingtaine de jours, mais... Là, on a une version pas du tout finie pour tester leur serveur. Voilà. Il est choqué, le perso. C'est vous qui l'avez choqué. Welcome to Nightingale. Bing, Bing by Selecting Basics. To choose your body type. Un défaut apparence. Ok. Simple Basics. Ah! Mais je peux être que tu me t'échelles la main? Franchement, let's go, hein. Body A. Ah oui, on est en B. Ah mais je peux tout sélectionner, je vois tout qui est grisé, alors c'est con. on teste, on fait le perso. Alors, quand t'es loin, c'est un peu dégueu, mais quand t'es de près, il y a du détail et la peau a une texture quand même, donc c'est bizarre. C'est un entre-deux bizarre. Mais j'imagine que c'est dû au côté pas finalisé. Punaise, ils ont fait un mono-sourcil dans la miniature, elle l'a pas du tout en vrai, heureusement. Mais la miniature, putain, ils se lâchent sur les sourcils dans la miniature, regardez, on dirait des petits nids de mouches qui est au-dessus des cheveux à chaque fois. Alors qu'en vrai, bah juste, ils sont un peu balèzes, j'avoue, mais c'est tout, quoi. C'est tout, c'est bon, l'appareil. Regardez, là, les sourcils sont tellement énormes sur la miniature que ils font la moitié du front. Bon, ils sont immenses, en vrai, mais pas autant, hein. Il y a des visages qui brillent et d'autres pas. Ah non, ils brillent tous, mais bizarrement. Il y a des têtes qui font grave peur. Oh, cette tête, elle est belle. Venez, on essaye de faire un beau perso pour une fois. Ça a l'air d'être plus un défi que dans d'autres jeux. 21. Oula, attention, c'est dangereux. C'est officiel. C'est là que c'est la meilleure. Oh, on fait Denise. Coucou. Coucou, c'est qui? C'est Vundelt. Pourquoi ils ressemblent tous à Benedict Cumberbatch? Cumberbatch. Ou Bach, je sais pas. Une petite quarantaine, tiens. Ça change un peu. Regardez, quarantaine distinguée. Voice. Scholar Welver said, in the physical science and humanity, your time was spent among the Grand Library. Oh non, mais moi je veux pas ça. Non, non, je veux pas une histoire académique. Statesperson, c'est quoi Statesperson? Régente, born in two worlds. Un lignage apodical power. Ok, donc quelqu'un de... Ok. Quelqu'un qui a du... qui a de l'impact. Tradesperson. C'est quoi tradesperson? A skilled and practical jack of all trades. C'est quoi jack of all trades? Putain, le génie en anglais! Paint-moi sur faire des arboring. Oh non, je veux pas travailler. Non. Ermite. Non. Officer. Military. Non. Ne'er-do-well. C'est quoi ne'er-do-well? A pretty criminal. Oh! With a few prospects in life. Prospects. Touche à tout. Touche à tout. Baston. Ouais, un peu baston. Vagrant. Relegated to the street or worse. On prend quoi? Cool, tu peux choisir l'âge, ouais.
Eh, touche à tout, ça peut être pratique en fait. Jack of all trades, ça peut être bien. JJ Berek, ouais JJ. On t'est veut toucher. Bon, on va faire Lineage. Très varié. Je suis trompée. Voilà ma lignée. Une seule personne différente. Putain, t'avais remarqué que je ferais ça. T'avais spoté que je mettrais qu'une personne différente. Putain. Inhérence. C'est bien au milieu. Ah oui, du coup, je peux choisir si. Comment ça peut changer alors que tous les visages sont les mêmes? Step 2. Customise your apparence. Skin tone, eye, couleur. Ok. Oh, ça. Non, c'est chiant la redness. Toujours venir rouge, moi. Scarf. Non, on peut pas être le méchant du roi lion. R. Ah, le rouge est beau. Oh, ce rouge. Oh, ce violet. Oh, ce rouge. Oh, ce rouge. On va mettre ça, c'est bien ça. Eyebrow. Ah, c'est sourcil. Facial hair. Oh oui, petite stache, let's go. Je suis très bien comme ça. Skull. Ah. On peut choisir les oreilles et tout aussi. Ah, j'ai entendu un son. Non, tout va bien. Oh, quelqu'un me fait peur. Ah, son, quelqu'un me fait peur. Son. Mmh. 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 Je suis attentive. Oh, je roule mes oreilles. Il y a un bruit trop fort. Hop, j'ai entendu un bruit. Pourquoi il y a un truc au milieu? Stop. Ok, c'est quoi Jawline? D'accord. Bro. Quoi bro? J'aime bien lui faire un air dubitatif. Pardon. Tim Morty Chalamet. Oh putain, on va tellement l'appeler comme ça. Merci beaucoup pour l'idée. Tim Morty Chalamet, j'aime beaucoup. Wouah, c'est un peu surréagi, mais c'était stylé. Oh, j'aime bien le fait d'avoir un portail tridimensionnel dans l'iris. Enlarge your portal key tridimensionnel into iris. Pardon, 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 je remets normal. À peu près comme ça. Ça fait un peu bouger mes mèches de cheveux d'avoir des grands yeux apparemment. Ah, il y a un truc qui a été lié là, il y a pas de... Ils ont lié un calque ici, c'est pas le bon. Le calque de la petite mèche là, c'est pas le bon. Mouf. Make-up. 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 You want it too. You want it too. Why not think you trust in... No.
None of the do we sigh. Yeah. Cry. One angel deserve to die. Ok, c'est quoi ça? C'est bon. Quoi? Mais c'est un beau perso, hein? Pas parce que vous, vous êtes... Pas parce que vous, vous êtes cisgenre. Non, mais en vrai, sans même parler. J'aime bien, moi, le principe d'avoir une petite tache mou. Enfin, je sais pas, dans tous mes jeux, j'aime bien. Si je peux mettre une tache mou à mon perso, bah, je fais ça. Et en plus, elle a une trop belle moustache. Une moustache, c'est ce qui manque à Timothée Chalamet pour avoir du charisme. Ah, il a du charisme. Il fait super bien. Ça fait un moment dans... Franchement, un moment... Voilà. Un moment dans Dune, il fait genre ça. Et là, tu pleures, tu vois. Non, je me rappelle pas, j'ai pas aimé le film. Mais en vrai, je l'aime bien. J'ai décidé que j'aimais bien Timothée Chalamet. Eyeliner. Mais pourquoi t'as pas dit eyeliner? Il est où mon eyeliner? Mais l'eyeliner c'est pas dedans. C'est quoi ce truc de dégaine enfin? C'est dégueulasse. Eyeshadow. Oh ouais, je veux de l'eyeshadow. Mais c'est pas shadow du tout. Ah voilà. Charmant. Ça fait un peu conjonctivite. Ça j'aime bien ça. Eilish. Ah, c'est les cils, là. Oh non, ça, j'aime pas ça. Je vais enlever ça. Efface. Oh, je peux en mettre juste right. Je vais effacer, reset. Voilà. Left. Mais ça va pas reset du tout. Je voulais faire comme dans Roche Mécanique, mais ça rien reset quand je fais reset all. Ah, je m'en vais de là. Make-up. Make-up. Difficulté. Ah, voilà. Oh, difficulté extrême, je suis à poil. En hard, je suis bien sapé. En médium, je suis sapé de manière... Mais qu'est-ce que c'est que ce genre? On va se mettre en médium. Même si je préfère la tenue de hard. Mais pourquoi je suis à poil quand tu es en extrême? Enfin, pardon. Ouah, cette phrase! Ok, je comprends. Je comprends le délire maintenant. C'est à quel point tu démarres avec des trucs? Your work of 10 necessitates you to travel. The Welcome Paris. Concept Unliving Folk. J'aime bien, je m'arrête sur des mots qui n'ont rien à voir. Salut Jo! Ça ne devrait pas exister la moustache. Tu fais pas le Movember, Catholise? Bon, je me mets comme ça. Et Realm. Ah, Realm Power Extreme, Hard Medium. Higher Empower, the more challenging the realm. Non, c'est bien ça. Finalize. Hey, je m'appelle comment? J'ai pas de pseudo. Next. Ok. T'avais dit quoi? T'avais dit... Timothy Chalamet. C'est parfait. C'est parfait. J'avoue que la moustache, ça a aucun sens dans les deux cas. Parce qu'il y en a aucun qui en a. Mais ça, c'est ma petite touche perso. Timothée Chalamet. Pas de Movember. Timothée Chalamet. Mais putain, il y avait un millier d'écran, c'est chiant. Goïk, ça a l'air. Pourquoi tu mets une petite voix quand je crie? Putain, elle arrête de mettre une petite... Oh, qu'est-ce que c'est? Pardon, j'étais pas concentrée. Je mets plus fort. Oh, je suis choc-bar. Je mets plus fort.
regardez, c'est au milieu de l'écran tout le temps. Il y aura ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le portal network collapsed, stranding us in these realms. Hein? Tu dis quoi, toi? Lost and alone in the dangerous labyrinth. Mais je vois pas, il y a un énorme truc au milieu de l'écran. Bon, il est pas si énorme, mais j'arrive pas à voir autre chose. Ah! C'est Jurassic Park. Every portal is a chance for salvation. Uniting the lost survivors. Oh wow! Il y avait des... Oh un géant! Je regardais pas l'écran jusqu'à... Il y a des dinosaures comme Ark finalement. Ouais mais il n'y a pas du tout que ça, ça va être beaucoup plus... Mieux. Non j'en sais rien. Bon là c'est pas très beau mais ce sera... Regardez, il y a un géant! Il est super grand! Nightingale. In the world of darkness. As long as we stand together. As long. Franchement, je suis pas loin. Punaise, mais il y a de la haine sur mon écran, il y a de la haine. Ah, c'est parti. Non, c'est là. La haine est à droite. The realm walkers are all that is left. C'est politique. Dans des mondes de Remnant 2, j'ai rien compris. Moi non plus, il y avait un énorme truc sur l'écran. Ah! Efface. Je vais relancer pour Overwatch pour nettoyer ça. In the world of darkness. The last hope of humanity is in your hand. If we stay together, we can fight everything and win. J'aurais pu mettre ma Go XLR à faire un effet trop stylé, j'y ai pas pensé, j'étais dans mon texte. La crée un perso pour un trailer sans ton perso. C'est normal, c'est une early alpha beta test. Stress test. À cause de quoi la madame? Oh, de l'espoir et la vie, c'est trop dur. Ok! Abeyance, forêt, rythme. J'ai une musique dans ma tête. Attends, ah, ça a craqué quand j'ai bouché. The first discovered realm was the Lush Forest. Oh, la forêt de Lush. J'ai acheté des produits là-bas. Le truc, c'est que ça sent fort quand tu vas dans Lush. C'est bien, Farnalou. Coucou. Ouais, j'ai compris. Merci d'avoir changé le jeu, putain. J'aime pas Lush. Pas fan non plus. Ah, on se met en QWERTY. Bonjour petit diablotin. Non, je te parle pas. Bon, ben, allons poser. Freedom. Ok, bon. Analysons. Regardez un petit peu les settings. Quality. On est en qualité. On va pas se mettre en ultra parce que je pense que le jeu n'est pas encore optimisé. Interface. Ah, je vais mettre les subtitles. Je pense que j'en aurai besoin. Et on peut pas encore y les toucher, c'est normal. Okay. Bonjour petit chevrolet. Hein? Chevrolet? C'est quoi? Comment on appelle ça? Les prochaines. Pourquoi j'avais chevrolet? Alors ça c'est mon campement. Oh des champignons, ils sont magnifiques. Je les chope. Timothée Chalamet. Timothée Chevrolet. Timorti Chalamet s'il vous plaît. Le profone. Oh le profone. Alors ça c'est mon équipement. Ah oui d'accord. Mais ça c'est ce que j'ai sur moi avant le tourisme. C'est n'importe quoi. Attendez, on va tout ranger. Et oui c'est ça en fait, c'est qu'on spawn en mode où on a déjà des trucs parce que le jeu il veut que tu testes des choses donc il te donne plein, voilà c'est vraiment une early, enfin, c'est vraiment un bêta test pour les développeurs finalement. Et du coup il te donne plein de trucs pour que tu testes, pour que tu construises, pour que tu puisses essayer des choses.
Bon bah je vais pas aller au léprophone. Léprophone. Non mais je veux pas utiliser. Voilà. Oh ouais. Je préfère ça. Non mais je vais avoir vraiment le symbole de mon serveur en permanence. Trop chiant. En plus vous allez pouvoir me streamac là. Pic puis puc. Salut puc. We made it. With the byways left behind, your beginnings have ended. This realm has long been forgotten by the Fae. Left in limbo. Not unlike you, but beware. In short time, ta map est différente de la mienne. Mais tu sais, différent, c'est pas forcément mieux ou moins bien, c'est juste différent, Booba. Laying foundations will keep you intrepid, child of Earth. Elle me dérangeait la catégorie. Merci, Infernalou, merci beaucoup. J'avais. En fait, j'oublie. J'ai pris trop l'habitude que tu changes la catégorie. Ou que quelqu'un d'autre le fasse. Dans les modos, et du coup je perds vraiment l'habitude de le faire. C'est terrible. In short time darkness will descend. While you play Carpenter, there are nooks in these surrounding. Oh ouais, Carpenter. Je vais essayer de te taper, les profanes. Il mortiche à la main. Ok. Et ben je vais. Attendez, je vais vider mon inventaire. Build Estate Cairn. On va tester. Oh ouais, ok. Ok, je comprends le principe. Pas dégueu. Non, pas ça. Qu'est-ce que tu sais? J'ai lancé un petit caca de feu. Alors là-dedans, il y a des trucs et tout. J'ai une tenue, j'ai tout ça. Oh, j'ai plusieurs tenues. Oh, vas-y, attendez, je vais me saper comme jamais. Non, mais en fait, ça me gêne du coup. Alors, ah, je peux avoir ça. Équipe. Non. Non, ça, j'aime pas. Je peux avoir ça. Ok. Ok, ok, ça, j'aime bien. Au niveau des bas. Niveau des bas. Et ça, je veux voir quoi, équipe. Ouais, je mange. Équipe. Attendez, si j'enlève ça. Une équipe. Oh non. Non, je vais remettre. Équipe. Ok. Ok, ok. Bon, alors c'est chiant d'avoir le truc qui apparaît pile poil où il y a ton perso. Un peu con. C'est pas malin. Ah mais il y a des... Oui, il y a des stats. Ouais, bon, on va dire que c'est bien. J'ai déjà plein de compos. Je vais poser des affaires useless. C'est quoi ça? Sunny hat. C'est un chapeau. Non mais j'ai une robe maintenant, je voulais pas la robe, c'est pas pratique quand on doit enjamber des branches. Voilà. Je veux pas ce chapeau. Je veux pas celui-là non plus. Pourquoi ça fait R? Tu mets un chapeau, meuf? Si t'es essoufflé quand tu mets un chapeau, on va pas s'entendre, hein. Allez, j'aime bien. J'aime pas le fait que, voilà, il y a un truc qui pop à chaque fois que je fais clic droit sur quelque chose, ça m'agace pas mal. Ok. Moi aussi, je me sape jamais. Tu vois pas ton perso, donc autant prendre les meilleurs saps. Non. Pas d'accord avec cette information. Oh, y'a de la pêche! C'est de healing. Ça, je sais pas. C'est marble. Ça dégage. Ok. Je suis wette. Ah! Alors, comment je fais une table de craft? Mmh.
B. Campfire. Banana. Basique. Tu dors. Désert. Oh, tu dors. Waouh. Crafting. On va faire un feu de camp. Place. J'attends qu'il arrête de pleuvoir. Rotate air. Ok, non, c'est bon, c'est bon. Un truc à faire avant dans estate. C'est où estate? Estate cairn. Place. Wow! Tu es con. Quoi? Ah. Mais c'est juste de l'eau, tu vas pas. C'est bon, tu vas pas fondre. Mais c'est de l'eau! Ah non, c'est des grelons! C'est des grelons! Ah ouais, c'est des grelons en fait, j'ai rien dit. En fait, je me prenais littéralement des balles de golf dans la gueule. On va attendre un peu, hein. En tout cas, pour le moment, c'est super. Des grelots! Taille des trucs. Oh mais j'y vais, tant pis hein. Auto-add. Oh j'ai pas de ressources. Fuck. Ah mais attends, j'ai un parapluie. J'ai un parapluie! Mais. Ah bon. Bon, bah, je peux pas le mettre en fait. J'ai pas vraiment un DHP, oui! Comment je sais ce qu'il me faut? À 20 rochers et de la stone block. Ouais. Oh. Mais c'est chiant, je me fais mal quand je vais dehors. En plus, je suis sous des arbres, ça devrait aider. Non, mais vraiment. Au secours! Toi de ressources, bah ouais, je l'ai appuyé plein de fois, mais ça n'a rien fait. Ah! Intéressant. Ok. T'es pas déçu? Bah quand je fais E en fait, auto-add ressources, E. Après, je peux rester appuyé et je peux faire encore auto-add ressources. Faire de la bouffe, bonne app. Bon, allez, on s'en fout, hein. Ça me saoule. Il me faut des cailloux. Ah, c'est bon, il n'y a plus de gros longs. Grêlons. Quelqu'un là-bas? Ah, ça... Oh! Coucou! Il me faut des cailloux! Ah! Pourquoi tu m'attaques? J'attaque la statue, c'est ta mère! Ah! Au secours, il y a des cochons!
Mais je suis trop désolé, mais vous avez... Mais c'est vous, hein? J'ai tué les cochons. Ouais, de la viande. Ok. Mais c'est pas fait exprès du tout. Quoi? Arrête! What? Mais comment ça se fait que tout le monde... Tous les cochons du monde m'attaquent? C'est chelou! Arrêtez! Je vous veux du bien, putain! Je vous veux que du bien! Laissez-moi vous montrer que je vous veux du bien! Je te veux du bien! Tiens! J'y suis pour rien. Mais ouais, ils auraient pop si vite. Oh, j'ai eu de l'essence. Sauf Marcel. Non mais ça va aller, hein. Oh, des marcassins. Salut. J'suis une princesse Disney, je pars avec les animaux. Au détour de la rivière! Je te connais, c'est une blague! Petite blague au couteau là. Ok. Yo mon camp. Ah oui, je vais faire ça! J'ai eu des cailloux dans mon inventaire! Trop pas. Putain, mais où est-ce que ça se trouve les cailloux? Je vais juste peut-être les ramasser. Je regarde. Un papillon! On est tous saoulés là! Ok. Attendez, faut que je trouve des cailloux. C'est Didi Belle, c'est Imorfufu. Il est où, Gail? Arrêtez. On stream pas tous les soirs ensemble. Juste 5 soirs par semaine, ça va. Hé, hey, collecte. C'est... Essence. Oh, désolé, je te fais mal, bébou. Je vais dans tes bras. Ok, j'ai toujours pas de cailloux. Oh ouais. J'ai pas de cailloux mais des cadeaux. Bon bah on va aller là-dedans, je trouve pas de cailloux, ça me touche. Attends. Ah, cailloux. Panier piadou, panier caillou. On peut peut-être réussir. Stop, j'écris n'importe où, désolé. T'es sur deux chats différents. C'est très drôle en tout cas. Hors série de quoi, Booba? Ouais, il donne toutes les ressources dans les coffres dès le début du jeu. Bah, surtout qu'il n'y a pas une seule pierre dans le coffre. Si, je crois en fait, t'as raison. Attends, j'y vais. Mais c'est parce que j'aurais dû mettre en difficile et j'aurais été à voile, parce que ça aurait été plus drôle. C'est la fin du stream de Linou. Ça s'est bien passé? Ah mais vous êtes pas ensemble? Vous jouez pas ensemble ce soir? Ah bah non, c'est toutes les deux semaines. J'ai bêtise. J'avais des cailloux sur moi. Ok, je add automatically. Ah, il me manque des blocs de pierre. Si je prends plus de pierre sur moi. Stone block. Comment je les ai, les stone block? Ouais, ça je peux le faire ça. Let's go! Je vais craft des... Rusted meat. Let's go!
Manage fuel. Ok, il manque les blocs de pierre. Je pense que les blocs de pierre, c'est en tapant des pierres comme ça. Mais pas celle-là. Je suis sûre que j'ai pas besoin de m'éloigner autant. Ah oui, d'accord, ok. Oui, je vois Booba. Ah, vous êtes en vocal quand vous faites ça? Oh bah si, peut-être, c'est juste que là, t'as mon stream. Ok. Du coup, j'ai de la bouffe dans mon inventaire. J'ai de la roasted meat. Oui. Les daims, ils vont te goober. Pas du tout. Un daim vaut mieux que deux, tu l'auras. Ah c'est bon, je crois que j'ai des blocs. Voilà, j'ai des blocs. Premier degré, j'aime bien moi les jeux de comme ça, en mode survie, en vue FPS, j'aime beaucoup. Alors il y a une vue TPS aussi, mais j'ai pas envie. Que j'utilise jamais dans les jeux. Là par contre le jeu est un peu pas ouf, physiquement. Graphiquement, mais ça pourrait être cool s'il est un peu plus léché. Rename structure. Rename structure, on peut nommer les structures. Oh, ça marche trop bien. Je le dépose vivant. J'augmente un peu le fauve. Ah ouais, je vais peut-être faire ça, ouais. La structure, on va l'appeler Lox. Massacre devant le gars. Bah j'y peux rien, il m'attaque. Il m'attaque littéralement chez WAM. Your tenacity overrules the gusts. Ouais, ma ténacité dans la cité. Dans la cité. Non, 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 non. Pardon, je fais du bruit. You'll soon wish to venture farther. The unending lure humankind so oft fought there. Merci. Non mais ça, écoutez, c'est un stress test, on n'a pas le temps. Elle fait du bruit avec son verre, Shogbar. Regardez les petits effets au loin, ça peut être sympa en vrai. Alors le fauve. Non, 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 non. Tchou. Ah oui, c'est un peu mieux. C'est bon, j'ai rename. Faut que je fasse quoi? Ça va faire du bordel comme ça tout le temps? Parce que c'est super lourd. J'ai augmenté la suite, la troisième... Ah ouais? Là, j'ai l'impression que ça... sorte personne. Ah ouais! Oh là! Non mais ce sera trop en fait ça. Attendez, je vais tester mais... J'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup de fauves, moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah! Au secours, il y a un cochon de feu! Mais vraiment, c'est du harcèlement! Parce que là, c'est des connards et je joue pas avec eux!
Linou, regarde pas ça! Linou, regarde pas ça! Cache tes petits yeux! Merci beaucoup pour le raid, Linou! Boum! Salut, boum! Salut, toi! Allô, Mister Zombie! Petit chou, tout a été fait. Allez voir cette mais, personne. Mais non, mais j'y peux rien, il me fait attaquer dans ma tente! Salut, Locus Solus! Salut, beau barbu! C'est bien passé la chat! On est où? Mais on est chez moi. Je suis désolée, je me fais attacher. Il y a un cochon qui m'attaque dans ma tente. Je vous promets, il s'est même cramé tout seul en fonçant dans mon feu. Et du coup, j'avais un cochon de feu qui m'attaquait. Je vais ici. Huitième, super cool. Ouais, ouais, je voyais Booba qui m'en racontait des petits bouts sans le vouloir. Parce que du coup, il écrivait dans mon chat au lieu dans le tien. Mais du coup, vous pourrez prévoir hors série en trichant, ça passe. Je sais pas de quoi, mais... Mais j'y peux rien! J'y peux rien! Bon, on teste un jeu en early, enfin c'est même plutôt une... Plutôt un stress test. Donc vraiment le jeu est un peu en mode, bah il y a un logo en plein milieu de mon écran en permanence quoi. Mais sinon à part ça, on découvre. Mais le jeu a l'air d'être tellement encore en mode cheapos que c'est très difficile de se rendre compte de s'il est cool ou pas. Comme vous pouvez le constater avec le petit truc en filigrane qui est partout sur l'écran, il se déplace, hein, il s'amuse, en fond d'écran Windows. Donc voilà. Histoire de cochon de feu. Mais ouais! C'est Fire Piggy! Mais c'est pas ma faute. C'est la société. Hé, hey, c'est beau ça! On peut nager! Putain, j'en peux plus de cette torche. Dégage! Voilà. MLG! Nickel! Oh, je suis mouillée dans le jeu. Bisous, Gaëlu. T'as rien, la torche en plein jour? Ouais, mais il apprend automatiquement, souvent. C'est un MMO? Ce sera plus sur des serveurs un petit peu comme... un petit peu comme Conan Exile. Donc, il y aura du multi. Mais tu pourras faire ton aventure, je pense, en solo chill. Je pense, ouais, je pense. Parce que j'ai dû me connecter à un serveur pour venir. Donc je pense qu'il y a potentiellement d'autres joueurs avec moi. Je sais pas comment le savoir, il n'y a pas de chat. Donc, enfin, si, il y a un chat, mais le chat, juste, il me dit que j'ai eu des trucs, des plantes et tout. Ça pourrait être beau s'il n'y avait pas des trucs partout sur mon écran. Oh, le HUD, j'en peux plus. Je veux tout virer. Interface. J'ai pas rien fait. Arachnophobia. Moi je voudrais mettre l'arachnophobie à fond. Enfin pardon, l'arachno on quoi, pas l'arachno off. Oui, c'est dans un style victorien steampunk tout à fait. Avec des portos. Rien à voir avec Aurel. Qui nous permettent de traverser des sortes de dimensions. Ou en tout cas de faire des voyages. Il y a trop de trucs affichés à mon écran, j'ai envie de tout virer, ça me rend dingue. Ça me rend complètement dingue. Si je suis folle actuellement, c'est totalement juste à cause de tout ça. Des jeux vidéo finalement. Non mais il y a trop de trucs affichés à mon écran, en plus il y a ma caméra en plus, donc vous avez un truc en plus. J'ai lu Victorine me v'la harponner. Oui c'est ça, ça change un petit peu. On a un style un peu particulier, je m'appelle Timothée Chalamet. Avec une moustache, parce que c'est toujours ce que je fais dans les jeux. Je fais un personnage comme ça, avec une moustache, c'est bien. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Ça pourrait être clair. Oui, alors le jeu il sort le 22. Là vous pouvez télécharger la bêta sur Steam si vous voulez tester. Bêta un peu balèze, hein, 60 gigas à peu près. Et elle est dispo que jusqu'à demain, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, le jeu sort définitivement le 22, donc ça peut être intéressant de juste un peu regarder ce qu'il donne et de l'attendre d'ici là. Parce que ça se voit qu'il est encore... Alors moi, je me suis pas mise en graphisme à fond. Le jeu s'est mis de base en graphisme élevé, mais pas en ultra. Je pense que, étant en bêta test et tout, je préfère laisser comme ça pour le moment. Mais c'est vrai qu'il y a un grain un peu bizarre. Quoi, bêtise? C'est toi, bêtise!
Notre thème du mois sera Dune. Incroyable! Incroyable! Je sais pas pourquoi les bêtises, c'est vrai. Ça doit être les points de chaîne, ils te proposent des trucs, ils disent hey, « Eh, tu peux faire ça en point de chaîne !» Alors tu le fais et ça fait un truc sur l'écran et t'es là « Ah, ça fait ça, ok. » Je suis full unshrouded. Ouais, bah voilà. Mais c'est vrai que là, ça... Par contre, les décors sont beaux, là. Depuis tout à l'heure, juste, je visite. Enfin, les décors sont beaux. Ça sert à rien. Arrêtez ! Il y a un côté graphique un peu chelou. Où j'ai l'impression que tout est un peu... Je sais pas trop comment dire. Un peu délavé. Mais si juste ils mettent voilà, ils mettent le filtre un petit peu qui rend tout joli à la fin avant de sortir le jeu, le filtre magique qui rend tout joli, et ben le jeu sera cool. Je suis là, moi aussi je suis là. Moi je suis là et je suis Lox. C'est pas super shiny, oui. Non et puis bah c'est, voilà les textures quoi. Honnêtement, je me suis foutu de la gueule du dernier Pokémon. Du dernier jeu Pokémon. Eh ben, non, bon, c'est pas ce point. Parce que. Pas à ce point. Mais disons qu'au niveau des textures, ça manque d'un petit filtre de texture aussi, quoi. Toutes les plantes, bon. C'est quoi? Pourquoi c'est si. Ah, c'est trop aigu! Arrêtez, je suis pas un Rottweiler. Pas besoin de faire aussi aigu. Moi aussi, je peux chanter. Puzzle core. Ça ferait bien comme musique de remix. On connaît ça, c'est du néerlandais. Ça veut dire où est la boulangerie? Côté. Et il est tout mort. Ah, du coup, je t'avais pas vu. Des bruits, c'est... Ok, attendez, j'avais baissé puisque ça faisait des iiii dans mes oreilles. La violence, tu peux rien. Une énigme, cliquez partout. Oh, on n'est pas dans The Room. Dans ta gueule d'énigme! Alors tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Ça c'est fait. Alors. Eh ouais. Ouais. Let's go. Ah non, je me suis trompée! Ok, faut que je fasse ça d'abord. Et après on fait. Ah non, mais à chaque fois je vais devoir me taper le. Le gang des gobelins momies. Rien à voir avec le film du même nom. Enfin, pas gobelins momies, mais momies. Ah, j'ai plus d'endu. Je peux pas fuir. Putain, j'adore m'enfuir. J'ai collecté un truc sur le chemin parce que j'ai aucun... J'ai que du dédain. J'ai aucun respect. Hop, je loot sur le chemin. Non, je m'en fiche. Je prends des baies. Ok. Attendez, j'arrive, hein. Excusez-moi. Le gang des gobelins momies. Ils font du rap d'outre-terre. Quoi? Pourquoi c'est encore rouge? J'ai rien fait. J'ai encore ma torche. Pourquoi j'ai ma torche? Arrête de sortir ta torche. Oui, t'as une très belle torche, mais la sors pas à tout bout de champ, t'as déjà dit. Ça gêne. Bon. Alors. Résolution à la hache. J'ai essayé. Bon, y a pas beaucoup en fait, y en a que 3. Donc si je fais celui-là, c'est bon maintenant. Putain, j'ai réussi à me tromper 2 fois alors qu'il y avait que 3 pierres. Mais une pierre reste une pierre.
néerlandais écrit ne pas toucher. Ne pas toucher. Pas toucher, j'ai tapé. Oh, faveur. Ouais, faveur de l'endurance. You may select quelque chose. Ouais. Escalier fort intéressant. Caché. On voit tout de très haut là. Pas du tout. Bon. On va encore faire des bêtises. J'ai résolu une énigme. J'ai résolu une énigme. J'ai même pas le droit à un GG. Hein, c'est là que t'as meilleur. Hein, en sub. Twitch ça a changé. Hein. Putain, je sais pas dire le néerlandais. C'est officiel, c'est la famille. Merci. Merci, merci, merci. J'ai une énigme fort, fort difficile. Bon bah je me promène toujours hein. Merci. Merci Lily. Voilà, on peut se noyer? Non. Ça c'est pour les losers. Ok. Fear the enemy. Everybody wants to be my enemy. Oh mais je vous connais. C'est pas les mêmes. Je vais prendre mon petit couteau. C'est quoi qui fait du rouge? Putain, dégage cette torche! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai vu que ton truc c'était que de la fumée. T'es pris pour un ninja ou quoi? Disparition ninja! Putain! Meurtre ninja! Ninja! Ah! Genre, tu m'avais pas vu? Nulos! Je me tire! Ah! Comment tu savais que j'allais là? Okay, je vais le guet-apentiser. Ça va pas marcher. Oh putain, je perds tant de vie! Ah! À l'aide! L'arbre! Défends-moi! Ninja! La torche! Attends, vas-y, la torche! Oh non, un cochon! C'est mes ennemis! Mais j'en veux plus, les cochons, ils font que me bully! Partout sur la map, ils me suivent et ils me tapent! Arrête! Laisse-moi! Vas-y! Ta mère l'a bovidé. Coco. C'est pas des bovidés. Va mourir à cause du cochon. J'y peux rien. Des bisous Mister Zombie. Hello Kara. Salut Lupus Solus. J'avais pas vu ton pseudo dessus moi. Ils aiment pas l'eau, on dirait. Ouais. J'ai plus tendu. Ah, lui aussi, il fuit. Trop mal visé. Oulala. Ok. Ok, j'ai l'écho. Release the echo. Favor of power. Favor of power. J'ai la favor of power. Ouais, c'est les cris de Skyrim quoi. C'est officiel. C'est là que c'est la meilleure. Merci. Salut Madbri.
Bon matin, salut à toi. Bon, bah c'est super, j'ai des trucs, mais... Mais je sais pas si c'est utile ce que je fais. Unlock the Antiquarian Site of Power. Il faut 60 sur 50 d'espoir. Il faut des gear score. Enfin, state score. Comment j'ai de l'estate score? C'est genre le Nutri-Score des états. Bully par le Piggy. Mais c'est vrai ça. Regarde. Arrête. Je vois que ça brille. Ok, je m'enfuis, j'en peux plus. J'en peux plus, il y a trop de cochons. Mais pourquoi ils m'attaquent tous, tout le temps? Genre ça pourrait pas être un pourcentage de te faire attaquer par un cochon si tu passes à côté, côté? Là c'est juste à chaque fois et ils sont toujours par coup. Alors je me fais éclatate. J'ai plus de Discord. Ok. Facile à régler. C'est ta base, Estate. Ah, faut que je retourne à ma base. Elle est où? Elle est là-bas. J'y vais. J'ai pas besoin en fait, je peux ramasser. Non, mais dégage-moi cette torche, putain. J'en peux plus. 6. Voilà. Non, j'ai dit 6. Arrête. Franchement, c'est... Allez, voilà, on m'a saoulé. Ninja! Oh, j'ai pu faire un clic droit! Oh, le clic droit de fou! J'ai le couteau à la main. Ah, attendez, je vais vous montrer. Ah, ça lag. Alors deux fous n'était peut-être pas le qualificatif approprié, mais le little surprenant quoi. Hache, comment ça, hache? Ah, putain, c'est pour me dire de prendre ma hache. Pas de soucis, Linou. Des bisous. Ah, il est déjà 23h. Je comprends. Des gros bisous. Appuie sur A. Oh, d'accord. C'est un pouvoir, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce rose? Je pense que c'est censé être un drap. Ou du mucu, je ne sais pas. Je m'en vais. Ok, je vais essayer le A dès que je vois des ennemis. Enfin, ce sera pas des ennemis, ce sera des putains de cochons qui voudront me taper sans raison. Clic droit! Ah non, ça marche. Clic droit! Oh non, ça fait un tout petit saut nul. What is that? Oh, j'ai de l'hope. J'ai de l'espoir. Ouais, super. C'est du pu. De la mue de cul. Non mais... C'est un couteau en main, vaut mieux faire un clic à droite. Il y a une ambiance que j'aime beaucoup, mais... Ouais, vraiment, là, techniquement, c'est un peu au frais surtout. De loin, ça va. De loin ça va, mais vraiment de près c'est... Surtout les plantes. Leurs roches c'est ok mais... Tout le côté végétation c'est un peu dégueulasse. C'est fort dommage. Très early. Ouais alors que le jeu sort dans 20 jours.
Alors j'imagine qu'on a une version pas finalisée, mais au niveau de la technique, je pensais quand même que ce serait mieux, et du coup ça veut dire que ce sera pas forcément énorme, enfin ça sera, en toute logique, pas forcément mieux une fois le jeu terminé. Putain, avoir le logo en plein milieu de l'écran tout le temps, ça me rend ouf. J'ai beaucoup de mal à me concentrer ailleurs quand je le vois, surtout quand je le vois en plein milieu comme ça. La lumière est pas trop mal gérée aussi, on a des petits reflets, tout ça c'est correct. L'eau ça va aussi, non vraiment c'est les textures de la végétation et les couleurs un peu. Allez, fais un clic droit. Impressionné ? J'ai tenu tout ce que je pouvais là. Mon perso commence à avoir faim et soif. Oui, bah tu sais, moi aussi je commence à avoir faim et soif. Est-ce que je raconte ce... Mais j'ai fait de la bouffe, attendez. Consume. Ah d'accord, mon endure on monte mieux. Ok, est-ce que je peux boire? Non, je pense que c'est que de la bouffe. Ouais, je pense que c'est que de la bouffe. Je suis pressionné de fou. Je vais rentrer chez moi, c'est où chez moi? C'est là-bas. Ouais, c'est les textures mais pas que en fait, c'est aussi les détails. Il va falloir un léger mieux. Il va falloir qu'il n'y ait pas de logo en plein milieu de mon écran permanent. Ah oui, t'avais pas vu? Et bah voilà. Mouchez-vous. Pensez aux ceux qui vous entourent. Mouchez-vous. Par pitié. Oh, j'ai fait un clic droit. C'est un petit dash un peu... qui est facilement arrêté par les obstacles. Filigrane simulator. Oh mais c'est chiant hein. Regardez, avoir ça en permanence sur l'écran, ça me rend ouf. Soyez mou chez vous ou mou chez vous? Non. Soyez mou. Mou chez vous. Non, se moucher. C'est important. Elle est où ma base? Soyez beau. Soyez slibo. Attention, wouhou! Ah, j'ai eu mal. Ça, c'est chez moi, ça! Let's go! De quoi? Uncle is pregnant. Yo. Comme ça, mon oncle. Ouais. J'ai sûrement plein de viande à faire. Roasted meat. Alors, il faut que je construise des choses, je crois, pour avoir un bon score. Je vais construire des trucs, c'est bête. Pardon, vous m'avez entendu boire, ça me saoule. Tu t'es foulé la cheville. Ah, c'est ça! Je crois qu'il faut que je me fasse un lit. Bah, il connaît pas la Lox Life. J'avoue que franchement, je suis un petit peu déçue par son manque de. D'endurance, j'ai envie de dire. Ok. Donc, je suis à 19 sur 20 en notes. Storage. Survival. Ça, j'ai déjà. Crafting, machin. Oh, bah. Ah non, mais il me faut des lingots et tout. Je
peux faire une simple machin. Eh ben, je vais faire ça, vous savez quoi? Place. Pas si c'est, mais je vais la faire. Je vais la faire ici. Ce sera trop mini. Hop là, hop là, hop là. Voilà. Et du coup, j'atteins un objectif. Unlock Antiquarian Card. J'appuie plein de fois sur la mauvaise touche. Et ça me sert à quoi de faire ça? Craft. Ah. Oh, les bruits m'énervent. Je vais m'éloigner. Du coup, j'ai unlock un truc. C'est où Antiquarian Card? Attendez, mais j'ai une map. Ah, j'ai une map. Comment je débloque la Antiquarian Card? Unlock schématique Antiquarian Card. Mais c'est comment je fais ça? Je comprends rien. Unlock the completion of the Antiquarian Site of Power. Bon, faut que je trouve le Antiquarian Site of Power, mais faut que... Est-ce que je sais où il est? Est-ce qu'il va m'être indiqué quelque part? Ah, c'est tout là-bas! Attendez, faut que je... Faut que je récupère ma bouffe, j'espère qu'elle a pas cramé. Je crois qu'elle a complètement cramé. How far you've come across these wilds. C'est ça, dégage! Mais ça marche pas! Elle est où ma bouffe? Roasted meat. Ah, fallait faire craft. J'ai fait une maison, moi. Mais j'ai pas été. J'ai pas de maison, moi. Non, moi je vais me promener, moi. Moi je vais voir la map. Des roasted berries. Et je vais bouffer ma roasted meat. Roasted food. Ah voilà, ça va mieux. Endroit où tu mets les choses et où tu collectes ce que tu as crafté. Ah ouais? Ah, que moi je fais E pour collecter. Healing. Alors je vais mettre bones. And fiber. And craft. Comme ça j'aurai aussi du heal. Il faut pas boire dans le jeu, y'a pas besoin. Hein. Ok. Si tu pars. Faut que j'aille vers le nord. Let's go. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu qu'il y avait... Quand je vais dans le désert, genre, ça me montre des trucs comme ça, désert d'or et tout. Augmentation. Ok. Coucou. Mais là, moi, je vais explorer, moi. Coucou, K.O. Comment que ça va, K.O. Moi, je vais explorer. Alors tout de suite, dégage. C'est un peu classe. Ah, oh, des loups morts. C'est les sangliers qui les ont tués, je suis sûr. C'est tout. Ah.
Il respawn trop vite. Je m'en vais, je m'en vais. Ah bien, juste looter des trucs un peu. Je vais arriver. Allez, on se casse. Il respawn giga vite. Regardez comment il vive. Stop it. Ok, on va vers le nord, on va aller au truc au antiquarian truc, antiquarian temple ou je sais plus quoi. Oh, c'est tout doré. Je crois que je t'entends pas. Je l'entends hein, le cochon hein. Je sais que t'es là hein. Regardez, un mec quand même poursuit jusqu'au bout du monde. Stop. Non. Ah, il est bien despawn là. Ah les cochons quoi. Ok, nous disions. Un lieu avec de l'espoir. Et l'espoir, ça fait pop des cochons. Gruik, tu fais très bien le son du cochon. Vous pensez que je pourrais reconnaître des animaux un peu plus complexes juste en faisant une onomatopée à l'écrit? Genre, je sais pas. Genre le bruit du lama, comment vous l'écrivez? Quel bruit fait-il déjà? C'est un petit peu comme le... comme le dromadaire. Ah j'ai compris! Ouais pas mal ok. Un truc à faire. Oh, je trouvais pas. Et combien de temps de respawn? 3,5 secondes, c'est pas beaucoup. Grave, c'est un stress test. Donc on va stresser les joueurs. Ah, je me doutais pas du tout que ça ferait ça, dis donc. Oh, t'es petit dernier. Sir Marcus. Flemme. Non, me faites pas lire ça. Des petites araignées. J'imagine qu'il y a un truc à faire pour débloquer, mais bon. Lighting marble. Ok. Je verrai tantôt. Oh, il y a un petit feu qui lit et tout. Ouais. Trop bien qu'il y ait un petit campement ici, j'approuve. J'approuve de fou. Moi je vais au nord, moi. Arachnophobes en sueur. Mais les arachnophobes sont sueur tout le temps, de toute façon. Ils ont juste... ils ont des techniques maintenant. Ils ferment les yeux et hop, voilà. Effectivement, sur mes jeux, je mettrai jamais le mode arachnophobe on. Des os. Moi, je l'aime bien. Oh, tu mets la tempête, c'est ça? Oh non, je déconne, je veux pas la tempête, je t'en supplie, non. C'était une blague. Oh, le principe a l'air trop marrant, juste, bah, c'est un peu une bouillie de pixels. C'est bon, il refait beau. On peut choisir le temps qu'il fait. Non, en vrai, bah, si c'était moins moche, s'il y avait moins de trucs à l'écran partout, entre le wait au milieu, entre
le N du serveur qui s'affiche absolument partout, entre le serveur space en haut, entre la boussole, à droite, les objectifs. En bas à gauche, vous voyez pas, mais j'ai aussi un mini-jet qui me dit « Vous avez ramassé ça, vous avez ramassé ça. » Tout en bas, on voit toute cette immense ligne. Bref, s'il y avait moins de choses à l'écran, je pourrais comprendre ce qui vient de se passer. Mais il y a trop de trucs. On comprend pas encore de ouf, c'est ça. Mais c'est aussi parce que déjà, rien que visuellement, c'est trop chargé. Trop de feuilles dans les sables. Non mais vraiment, avoir ce truc au milieu de l'écran tout le temps, ça me... J'ai vraiment l'impression d'avoir un... Je sais pas. De la buée dans l'œil. Du coup, j'ai un peu de mal à me concentrer. Parce que du coup, il y a plein de trucs dans l'écran. Ça, je suis dé... Ouais. Je suis d'accord. Hein. J'ai regardé, évidemment. J'ai pas trouvé comment le tout enlever, en fait. Je voudrais absolument tout enlever. Rien à foutre même de ma vie. Je voudrais vraiment tout enlever. Là, je suis à un point où je... Ouais, je pense que c'est vraiment la même sensation qu'avoir des lunettes dégueulasses, pleines de buée, de traces de WAD. Mais, je sais pas, t'es genre en train de conduire et tu peux pas les enlever, je sais pas. Et du coup, t'es obligé de distinguer à travers. Mais, premier degré, j'aime bien l'ambiance du jeu. Juste, y a trop de trucs qui m'empêchent de l'apprécier. Genre, bah la technique est un peu aux fraises, même s'il y a des petits, voilà, des petits trucs un peu sympas et tout ça. Et le HUD atroce. Oh, Bambi ! T'es tout bugué, Bambi ! Je vais te libérer de ton bug. Voilà ! T'es libéré. Musique trop présente, bah surtout qu'elle est très très aiguë. Donc c'est vraiment un... C'est pas un truc tout... A taper Bambi. Non, j'ai fait ça, je l'ai poussé. Je l'ai pas poussé. Justement, je voulais pas le taper. J'ai cru qu'il allait y passer le pauvre. Non. Je vais trouver une technique pour le pousser du bug. Et je l'ai vraiment fait. Puis, franchement, le style est très cool. Je suis sur la map, moi. Je suis allé là-bas. Et ben, ça a l'air d'être là. Hein. Attention. Évidemment, est-ce qu'on a 3 sangliers? C'est trop high level. Okidoki. Ah non. Ok, j'avais pas trop l'échelle de la map. C'est encore... Ok, c'est encore par là. Je pense qu'on massacre toute sa famille. Par contre, Bambi, on le bouscule juste. Bah, ouais, tu vois pas une diff quand même au niveau de... du danger qu'il représente? Ah si Bambi avait essayé de me bouffer le hut comme les sangliers à chaque fois qu'ils me croisent, ce serait différent, ça je te le garantis. Ah bah il est censé sortir le 22 hein. Il est censé sortir dans 20 jours. Seul danger. Pas du tout, mais ils m'ont fait trop mal. De la sortie Early Access. Ah, il sera en Early Access à sa sortie. Ah, bah d'accord. Oh. Des joueurs. Thank you.
du PVP dans le jeu? Ou je m'inquiète? Ça, c'est des PNJ. C'est des PNJ. Mais par contre, je suis pas sûr que ce soit un PNJ. C'est un peu ma tête. Hey visitor! Only fine soul with a pen. C'est pas d'autres joueurs du coup? Mais c'est... Ah! Il m'a tué! Oh! Qu'est-ce que c'est que ces bah écoute, Nadjeo, c'est très early. Il est... Enfin, c'est... Pardon. S'il était en mode... en mode finalisé avec ce même univers, avec je sais pas, le toutes les options réglables, avec des graphismes un peu plus à la pointe, avec voilà, plein de trucs comme ça qui font vraiment early, où ça se voit que c'est une early, mais du coup, bah... Si ça, c'était fait, franchement... Ça me plairait. Mais pour le moment, on a vraiment un résultat pro early. Pour dire vraiment si le jeu va être cool. Je pense que s'ils finissent le jeu rapidement, ça peut le faire. Mais s'ils tardent trop, bah je pense que l'intérêt du jeu va vite s'essouffler parce qu'il y a tellement de jeux comme ça. Donc ce qui suicide. Non, j'ai pas suicidé, c'est lui, il a essayé de me tuer. C'est officiel, c'est la fête meilleure. Oh ça on le savait. Ouais, il manque beaucoup de choses, ouais. J'aime bien l'univers et le potentiel que ça peut offrir avec ouais, avec les temples et tout, avec le côté un peu victorien qui change et qui va nous promettre des esthétiques un peu sympas, je pense, au niveau du au niveau du build, au niveau des bases et tout ça, la construction de base, ouais, trop cool. Au niveau des mobs aussi, on peut se faire plaisir, donc j'aimerais bien qu'il fasse un univers cohérent et pas qu'il part dans tous les sens comme l'a fait Ark. C'est moi, ce qui m'avait vraiment donné pas envie dans le jeu, c'était le fait que c'est un univers qui n'avait aucun sens. Là, j'aimerais bien qu'il fasse vraiment un univers sensé et c'est un peu ce qui a l'air d'être voulu. Par contre, ouais, c'est trop tôt, c'est vraiment trop tôt. Tu t'es bien décalé pour être sous l'arbre. Ah ouais, donc on accuse la victime maintenant, sous prétexte que ouais, j'étais sur le chemin de l'arbre. Il m'a visé avec l'arbre. Give up. Je vais apparaître où moi? Momento mori. Oh non, le léprophone. Putain, je suis super loin. Ah, ça fait parfaitement sens. J'imagine. Bon bah mon cadavre il est là-bas, je vais le chercher. Je me demande si on s'est déjà activé un portail dans ce stress, j'en ai aucune foutue idée. Mais j'ai pas de vie, je meurs tout de suite. Moi. C'est complexe pour rien, oui c'est vrai.
Ok, c'est bon, ça va aller mieux. Je suis en train de me healer. I need healing. I need healing. Faut manger. Bah oui, mais j'avais plus mon inventaire normalement, alors je pouvais pas manger. Non, je lève à 20h. Dimanche, KO. Pardon, tu l'as peut-être demandé plus haut, excuse-moi. Excuse-moi si j'ai pas, j'étais concentrée dans la découverte. Pour le live Bob Ross, je commence à 20h, ouais. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est dimanche, c'est pas demain. Demain, ce sera plutôt... le live, ce sera plutôt plus tard, du coup. Pas plus tôt, mais plus tard. Parce que le samedi, c'est un petit peu... un petit peu le YOLO. Je trouve pas ça complexe. Bah, en fait, ce qui est complexe, c'est de savoir pour... Enfin... C'est plutôt de comprendre plus la progression du jeu. En mode, pourquoi il nous donne tout ça? Mais c'est pas vraiment que c'est complexe, que c'est chargé. Voilà, c'est ça. C'est plus ça que je dirais, ouais. C'est, on est chargé d'informations, et c'est pas du tout nécessaire. Tu vas dans l'inventaire, bah, tu vas dans le truc des crafts. Idéalement, ce qui serait sympa, c'est d'avoir que les crafts que tu peux faire et de les débloquer au fur et à mesure. Là, t'as tout d'un coup et du coup, tu sais pas tout à quoi sert. Tu ouvres ton inventaire, tu ouvres ton coffre, t'as 1000 trucs dedans. Tu sais pas à quoi ça sert non plus spécialement. Tu regardes ton HUD, t'as 1000 infos encore. Tu ne sais pas forcément aussi ce qui va être utile. Donc c'est plus, je dirais, plus chargé que complexe. Je sais pas s'il y a du PEX, Sam, par contre. Il y a pas de... C'est pas... Je sais pas, y'a pas de point de talent, truc comme ça, non? Stop it! Oui, toi, tu me saoules! Comme d'hab, ça respawn tout de suite, hein! Oh, le loot aussi, il faut le rendre plus sympa. Hein. Devoir vraiment... Devoir vraiment viser le bout de l'os alors que t'as plein de trucs qui sont superposés pour pouvoir le looter, c'est chiant. C'est chiant. Ils ont mené la possibilité de pop avec beaucoup, pas beaucoup. Bah en fait, j'ai pas vu ça comme ça. Moi j'ai vu ça comme en mode, il y a le mode un peu facile, moyen et difficile. Et on va dire que, bah, j'imagine que quand tu prends le mode difficile, c'est pas qu'une histoire de pop. Il y a aussi une histoire de, je sais pas, de mob avec de la vie, plus de vie, des trucs comme ça. Donc en soi, moi, si j'ai pris ça, si j'ai pris le mode normal, c'était pour découvrir le jeu comme il est censé être découvert. Normal quoi, censé être un peu la référence, et après tu fais plus dur, plus facile. Mais c'est pas pour avoir un jeu pré-mâché. C'est pas, c'est bizarre. Oui c'est ça, c'est un stress test, tout à fait. J'ai pas dit l'inverse, dis juste que bah forcément oui c'est perturbant. Tout simplement. Parce que là, j'ai plus la sensation que je pars pas de zéro. Alors que pour moi, quand tu choisis un mode de difficulté, c'est pas à partir de quel moment du jeu tu veux commencer. C'est plus... pour moi, c'est plus en mode, bah, tu veux que les mobs aient beaucoup de vie ou pas, tu veux qu'il y en ait beaucoup ou pas. C'est pas en mode, tu veux qu'on ait déjà tout crafté pour toi ou pas. Mais bon. Je pense que pour le stress test, c'est pas ça. Bah, le truc, c'est que c'est la seule open beta aussi. Donc forcément, forcément, quand t'as jamais pu jouer au reste, bah t'as que ça sous la dent, quoi. T'as que ça sous la dent. Donc en fait, quand tu fais un stress test, ça n'empêche pas de faire une vraie bêta. Souvent, ça va ensemble. Là, c'est vrai que t'as l'impression d'arriver au milieu d'une soirée, quoi. ça parle d'un sujet que tu comprends pas. T'es un peu en mode, t'es pas dans le délire de tout le monde. C'est là, bon, ok, il va falloir que je picole un peu pour mettre dans l'ambiance, sinon ça va être compliqué.
Les gens ils font des private jokes, t'as rien suivi. Voilà, voilà, là j'arrive dans une soirée. J'ai pas prévu mon apéro. Ah oui d'accord, hein, mais oh, bah stress test fermé, il y a toutes les chances pour que t'aies juste pas assez de tests quoi. Pour le côté stress, j'imagine. J'imagine. Ok. Bah ouais, je le testerai pas des one, en tout cas. Bon. Allez, sauf si je rechoue à la clé, mais il y a peu de chance. Il y a très très peu de chance. Sinon, bah non, c'est vraiment le genre de jeu où va bien falloir attendre qu'il évolue, je pense. J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il soit, à ce que soit un énième jeu qui va sortir en early. J'avoue que j'espérais un peu plus. Mais peut-être que la version. Peut-être que la version qui sortira le 22 sera plus finalisée aussi. Je ne sais pas. Mais là, on est sur ouais. Sur du pas fini. Les essences, je crois que c'est ça. Quand tu fais A. Et tu fais... Pas du tout. Je pense que c'est ça les essences. Mais peut-être que c'est autre chose sinon. Après, moi j'ai rien lu. Hein. Donc je peux pas vraiment donner des conseils. Je peux pas dire ouais le jeu explique pas parce qu'en fait j'ai pas lu. Je verrai ça quand je serai en français. Mince, j'ai fait une équipe. Je fais pas une équipe. T'as des cochons, des loups, ça fait rien. Mais je crois que c'est toi. Ça fait un truc sur toi, non? Mais je connais pas les symboles qu'il y a en bas. Voilà, je m'éloigne. Oui, ils me poursuivent quand même. Bonne nuit, Jasnimir, des bisous. On va quitter des meubles. Bon, non, je veux rien fabriquer. Je pense que je vais quitter parce que vraiment, le N en plein milieu de l'écran en permanence, j'arrive plus à voir autre chose. J'en ai trop marre. Quand il est un peu sur le côté, ça passe, mais il est trop souvent dans le champ de vision. Il est trop... Le truc du serveur, je vous assure que ça me prend trop la tête. Déjà que le HUD me prend la tête, mais ça, c'est... Ça me saoule. Me saoule beaucoup. Ah, il est sorti par la bite, celui-là. Salut Alan, merci pour le follow. Alan F. 29. Coucou. Salut Mo. Ouais, je vais arrêter la vidéo ici. Bon, c'était vraiment un premier jet. Hein. Le jeu va sortir en early du coup le 22 février. Il y aura sûrement plus de choses. Il y aura beaucoup plus de choses à régler. Est-ce qu'il sera en français à la sortie? Je ne sais pas. Enfin, qu'il aura au moins le menuing et tout ça en français, j'espère. Ce serait cool. Là, je parle pas des doublages, évidemment. Je regarderai un petit peu d'un œil ce qui donne le 22 à la sortie. Mais là, pour le moment, c'est... Il y a trop de trucs qui me saoulent. Trop de trucs qui me gênent. Mais j'aime beaucoup l'ambiance. Des bisous. La VOD.